Bonjour à tous et bienvenue sur Summers Advisors, la chaîne qui propose informations et tutos sur le monde digital. OpenAI vient de lancer Code Interpréteur pour tous. Alors, Code Interpréteur, qu'est-ce que c'est? C'est une fonctionnalité dédiée à GPT-4 qui vous permet d'analyser beaucoup de choses. Ça vous permet d'analyser des documents, des images, de faire des graphes, enfin beaucoup, beaucoup de fonctionnalités très utiles. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment l'activer. Car il y a une marche à suivre, des réglages à paramétrer. Et dans d'autres vidéos, on verra comment l'utiliser. Commençons. Avant de commencer, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Cela est très important pour la faire vivre. Je compte sur vous. On est sur ChatGPT de OpenAI. D'abord, il faut bien comprendre que pour avoir la fonctionnalité Code Interpréteur, il vous faut GPT-4. Et pour avoir GPT-4, il faut avoir la version plus de ChatGPT à 20 $ par mois. Donc, une fois cela fait, allez, en bas à gauche, ces trois petits points. Settings. Et là, choisissez Beta Features. Et vous avez la fonctionnalité Code Interpréteur. Activez l'onglet. Allez sur GPT-4. Et maintenant, vous avez Code Interpréteur. Et vous avez la possibilité d'uploader, donc de téléverser des fichiers. Dans d'autres vidéos, on verra comment utiliser cette fonctionnalité. En attendant, n'hésitez pas à me laisser en commentaire comment vous l'utilisez actuellement. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.